tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la présentation de mon bullet journal pour l'année 2020. Sur la droite, vous voyez mon ancien bullet journal, il était quasiment terminé, il restait environ une quinzaine de pages, donc j'ai choisi d'opter pour un nouveau carnet pour cette année, et donc j'ai pris exactement le même, donc c'est la marque Cobadis, c'est un life journal. J'ai pris le même sauf qu'il est d'une couleur différente, j'avais hésité l'an dernier entre le rose et le bleu, j'avais opté pour le bleu, donc je me suis dit cette année que j'allais prendre celui-ci de couleur rose. Honnêtement, j'ai été plutôt satisfaite de ce bullet journal, c'est pour ça que j'ai pris le même. Et qui plus est, il a plutôt très bien vieilli, je l'ai emporté avec moi tous les jours dans mon sac à main et il est vraiment très peu abîmé, donc je me suis dit que c'était une bonne solution que de continuer à prendre celui-ci. Ce qui est pratique, c'est qu'il a un élastique qui permet de le fermer ainsi qu'un ruban en guise de marque-page. Je vais simplement brûler, enfin chauffer le bout avec une flamme pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et à la fin du bullet journal, vous avez une pochette à souffler qui est également très pratique pour y glisser des documents par exemple, des petits stickers ou ce dont vous avez besoin d'avoir tout le temps avec vous dans votre bullet journal. Sur la première page, vous avez de quoi noter votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre email. Donc ça, je le remplirai bien entendu ensuite après la vidéo hors caméra. Vous avez ensuite toute une partie qui vous sert d'index sur lequel vous pouvez noter les pages, les numéros de pages et ce qu'elles contiennent puisque les pages de ce bullet journal sont toutes numérotées. C'est assez pratique si vous avez écrit par exemple au milieu de l'année une recette de cuisine que vous voulez retrouver facilement. Il suffit de marquer sur l'index à quelle page elle se trouve. Ce que j'aime bien avec ce bullet journal, c'est que les pages sont de très bonne qualité. Je trouve que les feutres, quand on colorie, glissent assez facilement. En plus, les pages ont vraiment une couleur blanche. Je sais que certaines marques, ils ont tendance à tirer un petit peu vers le jaune. Moi, je préfère celle-ci. Finalement, le seul reproche que j'aurais à leur faire, c'est qu'il manque un endroit pour pouvoir y accrocher un stylo, un genre d'élastique dans lequel on pourrait glisser le stylo de notre choix, pour pouvoir avoir tout le temps un stylo qui soit à proximité de son carnet. Bref, comme vous le voyez, je suis en train de commencer ma page de garde, donc j'ai pris mon journal guide de chez We Are Memory Keepers et j'ai tracé un cercle sur ma page, j'ai pris le plus grand diamètre parce que j'ai eu envie de faire un motif en forme de couronne, vous allez voir, et j'avais besoin d'avoir un rond pour pouvoir avoir un repère. J'ai appuyé un peu fort sur mon crayon, j'avais peur qu'on voit en fait les marques de crayon, donc j'ai décidé de gommer légèrement pour n'avoir qu'une trace toute fine et pour pouvoir utiliser ensuite mes feutres par-dessus sans que les feutres les plus clairs ne laissent apparaître les traits de crayon en dessous. Pour débuter mon année, j'ai choisi 4 couleurs de tombeau, dont les tons bleus et un qui tire un petit peu vers le turquoise. Et je vais tracer des petits branchages, donc c'est un motif relativement simple. Je trouve que c'est les motifs comme ça, un petit peu floraux, avec des motifs de ce genre, qui sont les plus jolis et les plus sympas à réaliser. C'est ce que j'ai préféré autant dans mon bullet journal en 2019, aussi bien dans les vidéos que j'ai regardées, etc. Je trouve que c'est des motifs frais qui donne la pêche, donc j'ai eu envie de faire ça pour débuter mon année et j'ai choisi du bleu. J'avais hésité avec du rose mais finalement je trouvais que ces tons là de bleu que j'ai dans mes tombeaux s'accordaient vraiment très bien, donc j'ai opté pour ceci. Donc là je fais simplement des branchages avec des petites boules au bout. J'ai fait des petites fleurs toutes simples avec 4 pétales et je vais ensuite faire des petites feuilles et également des petits dessins très schématique, des tout petits ronds et des toutes petites étoiles, vraiment très graphiques pour agrémenter un petit peu ma couronne. Je trouvais mes fleurs un petit peu fades, donc j'ai voulu faire le centre en blanc. Pour cela, j'utilise mon stylo Signaux de chez Uniball. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mettrai les liens de tous les produits que j'utilise en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver facilement si besoin.
Je vais laisser sécher la couronne, plus particulièrement les points blancs que je viens de faire, parce que j'ai pas envie que ça bave. Et en attendant, je vais passer à la partie du dessous dans laquelle je vais noter mes clés. Donc les clés, ce sont les petits symboles qu'on va utiliser dans le bullet journal pour savoir à quoi correspond chaque chose que l'on a marquée à l'intérieur. J'agrémente la partie du bas également avec les mêmes petits doodles que j'ai fait juste au-dessus. En fait, c'est ce motif, enfin ces motifs plutôt, qui vont nous accompagner sur toute la préparation de cette année parce que je voulais quelque chose qui soit coordonné et retrouver les mêmes couleurs et les mêmes motifs sur l'ensemble de mes pages. C'est vrai que je ne vous montre jamais l'intérieur de mon bullet journal une fois qu'il est rempli parce que je trouve que c'est assez personnel, ce sont des rendez-vous, des choses à faire, etc. Mais j'utilise vraiment ce système de clés. Donc lorsque j'ai une tâche à faire, j'utilise un point. Quand la tâche est réalisée, je la coche avec un V. Quand elle est annulée, j'utilise une croix. Quand elle est reportée, j'utilise un symbole d'une flèche qui va vers la droite. Ce qui est important, je mets une étoile. Ce qui est urgent, un point d'exclamation. Quand j'ai un rendez-vous, c'est un cercle qui est vide. Et quand c'est un anniversaire, je dessine un petit cadeau. J'avais oublié cette sensation, mais j'ai eu vraiment du mal à écrire parce que comme le carnet est neuf, il est assez épais puisque ce sont les premières pages. Et du coup, quand on écrit sur les parties basses, le poignet est plus bas que la hauteur du carnet. Donc j'ai eu un petit peu de mal à écrire le texte, surtout en bas à partir de tâches reportées, importantes, etc. J'ai eu un petit peu de mal. On va passer aux pages suivantes qui vont être consacrées à mon année. Donc là, pour faire plus simple, j'ai directement créé et imprimé sur du papier autocollant les mois de l'année. Déjà que quand j'en écris un, tout simplement sur un mois pour faire le mois en question, j'ai tendance à me tromper. Donc là, faire une année entière, c'était même pas la peine. J'ai préféré faire comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le fichier en barre d'infos si vous voulez le télécharger pour pouvoir les imprimer. Vous pouvez aussi bien imprimer sur du papier autocollant comme je l'ai fait ou sur du papier classique et le coller sur le bullet journal, c'est vraiment vous qui voyez, c'est comme vous préférez. J'avais ce papier là donc je l'ai fait dessus mais ça marche aussi sur un papier classique. Tout dépend de ce que vous avez à la maison. Donc là je viens tout simplement retailler avec mon massicot les différents mois pour qu'ils ne prennent pas trop de place et que je puisse les coller sur mes pages pour pouvoir avoir de la place ensuite à côté pour noter ce que j'aurai à faire, enfin ce que j'ai prévu sur ces mois-ci. Pour mon planning annuel, j'ai choisi cette disposition, c'est-à-dire qu'une page égale un trimestre et une double page égale un semestre. L'an dernier, j'avais fait l'année entière sur une double page et finalement, c'est assez petit. C'est vrai que j'avais pas trop de place pour noter, pour écrire, etc. Même si il est vrai que je ne me sers pas de ce planning, on va dire, au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à noter mais que le mois en question est déjà fait, par exemple si on est fin janvier et que je dois prévoir quelque chose pour début février et que j'ai déjà prévu dans mon journal le mois que j'ai déjà dessiné, tracé, etc. Je vais directement l'écrire sur le mois. En revanche, si on est en janvier et que je prévois quelque chose pour juin et je sais que le mois ne sera pas déjà pris dans mon bullet journal, je le note sur le planning annuel, sur celui-ci. Et quand je viens écrire et tracer mon mois, le mois de juin par exemple, dans mon bullet journal, je vérifie dans le planning annuel si j'ai des choses de prévues et si c'est le cas, je les reporte simplement sur le mois que je viens de dessiner. Donc j'ai choisi de séparer les différents mois par des lignes en pointillés. Pour cela, j'ai utilisé une règle qui est très pratique, elle s'appelle la Roller Shutters. Elle est vendue avec deux types de pointillés différents que vous pouvez en fait mettre sur votre règle et utiliser. Il existe aussi une extension que vous pouvez acheter à part qui contient deux autres types de pointillés. C'est vraiment hyper pratique de devoir les faire à main levée, vous avez quelque chose de régulier, de vraiment parfait en le faisant avec cette règle. J'ai ensuite simplement collé mes mois et je viendrai donc écrire à côté quand j'aurai des choses à prévoir. Ce qui est pratique aussi avec ce type de stickers, vu que c'est du papier, vous pouvez venir écrire dessus, surligner, etc. Pour finir, j'ai donné un titre à mes pages, donc ce n'est pas très original, premier trimestre et second trimestre. Sur la double page suivante, j'ai fait exactement la même chose, donc je vous passe tout ça en très accéléré puisqu'il n'y a rien de nouveau. J'ai simplement ensuite décidé de décorer le haut de la page, là où j'ai noté mes titres, donc j'ai rajouté à nouveau des petits motifs, donc les petits branchages, les petites fleurs, les petites feuilles, etc. pour rajouter un petit côté fantasy, même si c'est une page qu'on ne peut pas trop décorer parce que finalement les calendriers prennent vraiment beaucoup de place, j'ai voulu quand même mettre quelques petites bricoles.
Là, pour faire cette préparation de bullet journal, j'ai décoré 10 pages, j'ai commencé à la 1 et je m'arrête à la 11 et j'ai rien fait d'extraordinaire. On se rend pas vraiment compte avec les passages en accéléré, il y a des choses que je coupe, etc. Mais ça m'a pris un peu plus d'une heure et demie pour tout faire. Donc c'est juste tracer des lignes, écrire des mots et faire des petites branches, des petites fleurs, mais finalement ça prend du temps. La double page suivante est consacrée à mes objectifs. J'avais envie d'écrire le mot sur les deux pages avec une coupure au milieu du bullet journal. Pour éviter que ça tombe trop aléatoirement, j'ai d'abord tracé au crayon à peu près l'endroit où je voulais que les lettres atterrissent. Et ensuite, j'ai repassé avec mon feutre Tombow en faisant une petite calligraphie très rapide et très, très rapidement faite. J'ai rajouté 2020 juste au-dessus et ensuite je vais mettre des petites décorations dans l'angle en bas à gauche et dans l'angle en haut à droite et je viendrai tout autour ensuite noter les objectifs que je me fixe pour 2020 et que je me fixerai tout au long de l'année. Pour cette préparation, j'ai écrit en mode lettering avec tous mes tombeaux, les 4 que vous voyez à l'écran, et je me suis rendu compte qu'il y a certaines pointes qui sont abîmées, en fait elles sont un peu ébouriffées. Du coup j'ai du mal à écrire avec parce que quand je veux faire des traits fins, ben ça ne fait pas quelque chose de joli, ça fait soit un double trait, soit ça fait quelque chose qui n'est pas forcément droit comme je veux. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, est-ce que c'est parce que je les ai trop utilisés? Ou bien je m'en suis servi sur du papier peut-être de mauvaise qualité, ça les a peut-être abîmés prématurément, je sais pas trop. Est-ce que ça vous le fait vous aussi parfois sur vos tombeaux? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une astuce pour éviter justement que mes tombeaux s'abîment trop vite. Et voilà pour ma double page objectif. Le mot n'est pas très bien centré en hauteur, mais bon, c'est pas grave. La double page suivante est consacrée aux anniversaires, donc j'ai mis du temps à réfléchir à comment je voulais faire cette page. Je voulais partir sur une décoration qui fasse anniversaire, mais finalement, comme je vous ai dit précédemment, je voulais que l'ensemble de mon thème soit coordonné avec les mêmes motifs, les mêmes couleurs, etc. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple. J'ai fait un système de cases, donc je vais noter à chaque fois le mois qui correspond, donc j'ai fait 12 cases. Et je viendrai noter à l'intérieur les numéros des jours qui correspondent aux anniversaires des personnes concernées. Je me suis trouvée confrontée au même problème que sur la page de garde où j'ai écrit mes clés, c'est que mon poignet était beaucoup plus bas que la hauteur de mon carnet, donc finalement j'ai pris mon ancien bullet journal pour m'appuyer dessus et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc comme vous l'avez compris, je viens noter l'ensemble de mes mois jusqu'au mois de décembre. J'ai choisi de le faire sur cette forme-là, donc une forme horizontale. Première ligne de janvier à avril, ensuite de mai à août, la dernière de septembre à décembre. Je vais ensuite tracer des cadres tout autour. Donc pour cela, j'utilise simplement une règle. J'avais fait des repères au crayon juste avant. Et ce que je fais pour éviter que ça ne bave entre chaque trait que je viens tracer à la règle, j'essuie ma règle avec une petite lingette ou un petit mouchoir pour éviter que quand je repose ma règle sur un nouvel endroit, il y ait encore des traces de feutre et qu'elles viennent baver et se déposer en fait sur le papier. C'était un peu long et un peu fastidieux, mais finalement le rendu est vraiment sympa. En plus, j'ai alterné les couleurs avec les noms des mois et les cadres. Et j'ai fait en fait, quand j'ai opté pour une couleur sur le nom d'un mois, j'ai fait la même couleur pour le cadre tout au long de l'année. Comme ça, ça fait une espèce de cohérence. Et finalement, j'aime bien l'ensemble de ces couleurs, les voir sur une même page, tout ensemble, comme ça, mélangé. Je trouve que c'est très harmonieux. Ensuite, j'ai eu envie de donner un peu de relief aux cases, donc j'ai pris un tombeau bleu vraiment très très clair pour faire un trait en fait sur le côté gauche et sur le bas pour rajouter une espèce d'ombre qui fasse un effet de profondeur. Je donne ensuite un titre à ma page, donc j'ai choisi de l'appeler anniversaire à ne pas oublier et j'ai écrit cela avec un feutre Tombow Fudenosuke de couleur noire. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper bien, les pointes sont toutes fines mais elles sont souples et ça permet de pouvoir faire de la calligraphie un petit peu plus fine avec des mots écrits en beaucoup plus petit qu'avec un Tombow classique. Je termine avec toujours mes petits dessins de branches et compagnie pour rappeler le thème et ma page est terminée.
On passe ensuite à la dernière double page. C'est une page que j'avais très envie de rajouter cette année. C'est une wishlist. Donc c'est une page sur laquelle je viendrai noter au fur et à mesure toutes les choses qui me font envie. Que ce soit des choses pour moi, je sais pas, un vêtement par exemple, des choses pour le scrap, des choses pour la maison, des envies de voyage ou de week-end, voilà, tout ce qui me passe par la tête, je viendrai le noter ici pour en garder une trace. Je suis partie sur le même modèle que la page des objectifs, j'ai écrit le mot au milieu, j'ai un peu mieux réussi à centrer au niveau de la hauteur, et cette fois-ci j'ai fait la décoration autour du mot et non pas dans les angles, pour donner un style un petit peu différent. Et voilà, mon bullet journal est prêt pour attaquer cette année 2020. Je vous laisse jeter à nouveau un œil sur toutes les pages que l'on vient de réaliser ensemble. Dites-moi si vous aussi votre bullet journal est déjà prêt ou si vous êtes un petit peu en retard et surtout quel thème vous avez choisi pour commencer cette nouvelle année. Je vous retrouve très bientôt pour la préparation du mois de janvier. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore prêt, mais je vais m'y attaquer dans les prochains jours pour pouvoir être prête quand le mois de janvier pointera le bout de son nez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, venez me rejoindre sur Instagram, je trouve que c'est bien plus interactif comme réseau social. Je vous partage souvent plein de choses dans les stories, je vous demande votre avis, je vous pose des questions, je vous fais des sondages, je vous demande aussi des idées de thèmes, etc., etc. Donc pensez à venir me rejoindre. Je vous remercie d'être passé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !